touche, elle charge la barre de V-Trigger. De Colin, V-Trigger très très tôt alors qu'elle a même pas perdu 50% de sa barre. Et elle fait subir la pression dans le coin. C'est l'MV, bah MK, voilà. Merci, bye bye, allez poubelle. On va toucher, on va attendre un petit peu, on met la pression, le X qui ne touchera pas. Au moins il n'y a plus de CA derrière, on retrouve ça par contre. Attention, cette barre de souhait relativement très haut là-dessus. Oh, le stun est fait, on y a la T-Bag. Avant le very versal qui fait retomber le stun, ouf, on est sauvé. Hop, wall bounce encore une fois. Bien, ça. Lourd dégâts, ça fait shift encore une fois. On poursuit au Hadoken, la pression est toujours présente. On essaie de rentrer, c'est un non, wall bounce. Attention parce qu'on a vu un Karine Perfect qui est arrivé, mais là surtout on a une barre de stun potentiellement qui va éclater Jimmy. Galaki somersault, parfait. Un combo que vous pouvez aussi réciter chez vous. Excellente punition de Akainu. Bon, par contre, ça se chope ou pas chope, c'est difficile. Hein. Ken, c'est trop. Aïe, 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 aïe. Alors ça s'écrane. Alors ça s'écrane. Oh, il a stun mental. Lui aussi, un jury, c'est pas mal de s'entraîner contre elle, mais je vois ses positionnements sont bons, très bon. Quajin bien confirmé. Hop là, décalage arrière, décalage avant, et mes stand medium kick, attention au stun. Oui, 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 oui. On charge tous les Quajin et saut gros pied, gros point. Merci.